Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle carrière sur FIFA. Donc on est sur une carrière version nationale, mais en fait on était dans un club, donc dans un club de National 3 qui est donc monté sans faire jouer notre joueur de National 3 en National 2. Il a joué un seul match, donc il nous vient. On est de Evian, voilà. Donc je l'ai remis la petite anime tout à l'heure. On vient d'Evian en prêt, donc on était en National 3, on nous a pas fait jouer la première saison, c'est pour ça qu'on commence au bout de la deuxième. Du coup, le club est monté sans nous en jouant un seul match, on a joué un seul match avec Evian, et donc ils sont montés en National 2. Et du coup, ils ne comptaient pas encore nous faire jouer, donc on nous a mis sur la liste des prêts, et j'ai finalement accepté de partir en prêt en France. Donc on passe d'un club d'origine de National 3 à un club qui était monté en National 2. On est prêté dans un club de national. Donc du coup, on est en National 1. Voilà, tout simplement. Et on vient de signer dans un club qui a commencé son championnat avant qu'on arrive et qui a perdu son premier match 3 buts à 1 face au leader qui est provisoire, qui est Chambly. Donc, on va jouer ce match. On n'est pas titulaire, hein, bien sûr. On est remplaçant et c'est parti. Allez, la rentrée de Valérie Junior pour ce match de national entre l'US Orléans et son adversaire du jour. On espère faire un bon match déjà. Pas marquer parce que ça m'étonnerait. Pas faire de passe D parce que ça m'étonnerait aussi. Ça ne passera pas. Attention, bisous, la frappe. Oh, attention, le penalty contre l'US Orléans. Ça aurait pu être évité. Le penalty transformé par Bisous. Et Istres qui ouvre le score face à l'US Orléans. Qu'est-ce que c'est dommage. Alors c'est l'affichage du National 3, mais on est bien en National 1, je le précise. Oh là là, c'est quoi ce gardien d'Orléans qui laisse passer? Avec les passements pour Valérie Junior qui tente de y aller. Valérie Junior la frappe et l'égalisation! Sa première occasion, c'est un but pour l'US Orléans. Son premier but en national. Lui qui vient en prêt de Evian Thonon. Je comprends pas pourquoi Evian nous fait pas jouer. Et là, on est prêté à l'US Orléans. On vient marquer déjà en national. Ça fait un but à zéro pour l'US Orléans. Enfin, un but partout. C'est un petit peu plus compliqué hein, du côté de l'US Orléans. Oh, attention à la reprise et voilà. Oh, la punition pour l'US Orléans qui s'écroule sur cette action. Parmentier, Tazi, ça joue tranquille, hein, dans un fauteuil hein, du côté du Istres. Ce qui manque du côté d'Orléans, c'est clairement de la vitesse dans les actions. On peut pas initier toutes les attaques. Eh bien, on comprend pourquoi l'équipe avait perdu. On a certes marqué un but, mais l'équipe s'incline. Trop de fébrilité derrière. Et pour l'instant, c'est la Nationale 2 qui guette très clairement ce club. Allez, une nouvelle rentrée hein, pour Valérie Junior qui rentre dans une rencontre de Coupe de France. Le club de l'US Orléans est en train de se faire sortir de cette Coupe de France. Pour l'instant, Orléans est mené 1 but à 0 par Uzes. C'est quand même... On est assigné dans une équipe qui est en difficulté. Mais il fallait s'y attendre, on n'a pas joué. On a joué un seul match, je me rappelle, la saison passée avec Evian.
La course d'Aguignon avec cette passe pour Le Paul. Le Paul a frappé le but de l'égalisation pour l'US Orléans. C'est Le Paul qui vient égaliser dans ce match de Coupe de France face à Uzes. On joue une très très bonne équipe. Et là on a beaucoup de mal. Et là j'étais... J'ai failli mettre hors jeu ce ballon. Heureusement je saute. Et du coup, Le Paul qui vient permettre à l'US Orléans d'égaliser juste avant la fin du match. Alors, attention, on a le ballon. On a le ballon au centre et le voilà, le but de la qualification dans les dernières secondes. Dans les arrêts de jeu, le but de la qualif pour l'US Orléans. C'est Le Paul qui vient le mettre. À suite d'un ballon qu'on croit qu'on a perdu. Finalement, on l'a toujours et on centre devant le but. Première passe D depuis qu'on vient d'arriver à l'US Orléans. Et ça va permettre au club de passer ce tour, mais très très compliqué ce match. On va pas aller loin, hein, je pense, dans cette compétition. Mais en tout cas, ça fait une qualification de buts à 1. Allez, on vient de faire notre rentrée. Il y a 2-2 entre Bourg et l'US Orléans. La passe de Dabas pour notre joueur. Allez, enfin un bon ballon peut-être. Il a percuté, il va centrer. Le but, le voilà, le troisième but de l'US Orléans. Match compliqué, mais Dabas qui vient permettre à l'USO de passer devant sur une passe de Valéric Junior. Ça fait 3-2. 3-2 avec cette magnifique action du numéro 7. Ah, ils sont difficiles, hein. Tous les matchs sont difficiles en national. On rappelle que ce serait la première victoire de la saison pour l'US Orléans en championnat. Avec Valéric Junior qui tente de donner à Moukad. Et le joueur côté droit qui n'arrive pas à le récupérer mais qui le redonne quand même. On va la centrer et le voilà. Oh non, Quelle action. Ça s'est joué en une touche. Mais malheureusement, il n'arrive pas à marquer. Mais c'était bien joué. Attention, le corner. Repoussé. Peut-être la première victoire dans quelques secondes. Même s'ils ont du mal à défendre quand même les joueurs de l'US Orléans. La victoire. 3-2. Le Paul, Goujon et Dabas. Allez, on s'est passé nous ces derniers matchs. Et là, on fait rappel à nous. Ouais, il a fallu quand même que je demande à changer de poste. Je suis passé sur un rôle de BU. Et là, on me fait rentrer pour même pas 10 minutes de jeu. Pour un match de Coupe de France face au FC Sochaux. Compliqué cette carrière. On nous a pas fait jouer en N3. En N2, on nous a dit de nous prêter ici à Orléans. Et à Orléans, on nous fait jouer des bouts de match. Et c'est Orléans toujours avec Bretel, Le Paul est dégagé par Christophe Guédiou. Oh, attention. Solvé. Eric Junior, allez, Le Paul. Attention, on tente d'y aller. Le numéro 7 de l'US Orléans, l'égalisation de Valéric Junior pour l'US Orléans. À la 84e minute de jeu. Le match de Coupe de France.
le FC Sochaux qui menait 1-0, le AS Orléans qui vient d'égaliser. On est rentré à la 75e et déjà on débloque peut-être une situation. En plus, le petit pont sur le gardien. Et ça fait un but partout entre Orléans et Sochaux. Avec Valéric Junior. Valéric Junior qui a toujours le ballon. Valéric Junior. Valéric Junior qui y va. Valéric Junior. Valéric Junior. C'est repoussé. Finalement, c'est un coéquipier qui récupère. Il avait fait une grosse action, Valéric Junior. Oh, attention le départ derrière dans le dos de la défense de Sochaux. Valéric Junior. Valéric Junior qui s'applique. Et le voilà. Le doublé de Valéric Junior. Il le fait son salut. 3 buts à 1 face à Sochaux dans ses prolongations. Bon, attention, ça passe, ça passe. Et le voilà, le triplé. Le triplé. 4-1. Triplé, son premier triplé en amateur, hein, vu qu'il évolue en national. Allez, Valéric Junior. Valéric Junior qui a déjà mis un triplé dans cette rencontre. Et qui vient mettre, après son triplé, son premier quadruplé. Et c'est fait, la victoire. 5 buts à 1, le premier quadruplé pour ce joueur qui va partir avec le ballon. Valéric Junior qui a vraiment marqué ce match de son empreinte. J'espère que maintenant il va être beaucoup plus présent dans les matchs. Parce qu'il n'a pas été titulaire ces derniers temps. C'était son premier match en rentrant. Il n'a jamais été titulaire pour l'instant à Orléans. Allez, une nouvelle rentrée. Cette fois-ci, c'est face à l'OM. Et oui, on joue l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui est en national. Attention, il n'y a pas d'hors-jeu avec Valéric Junior. Valéric Junior. Valéric Junior qui centre. Et là, voilà l'égalisation de Damas. Dans ce stade qui exulte. 88e minute de jeu. Égalisation de l'US Orléans face à l'Olympique de Marseille. Centre qui vient de notre part. On avait dézoné côté droit. Et on avait bien fait. Damas qui avait pris du coup l'axe. On a inversé avec Dabas nos postes et ça a bien fonctionné sur cette action avec une égalisation. Un but partout. Avec cette passe pour aller avec notre joueur. Notre joueur qui tentait d'y aller. Bon, attention. Attention, il y avait peut-être une faute là dans les dernières secondes. Notre joueur qui était parti dans une série de dribbles. Et c'est fait finalement un match nul, mais on aurait pu le gagner ce match. Mais c'est un très bon résultat face à l'OM. Allez, une nouvelle rentrée, cette fois-ci c'est un match face au CA Bastia. Attention, Valéric Junior qui est parti. Valéric Junior. Valéric Junior s'est repoussé. Le but est vide. Et Damas qui vient marquer à la 64e. On vient juste de rentrer. On est déjà décisif avec Damas qui vient reprendre notre occasion. Ah, on est là. On était passé. On est en angle fermé. Ça se tente. Et derrière Damas qui est sur ce second ballon. Et 2 buts à 1 face au CA Bastia. Il va falloir maintenant marquer un autre but. On se bat avec ce ballon aérien pour le numéro 20. Le voilà, le troisième but. Bougdad qui vient marquer sur une passe aérienne de Valéric Junior. Et ça fait 3 buts à 1 pour l'USO. Attention, peut-être le quatrième but. On n'est pas loin du quatrième quand même. Avec cette passe. Et le voilà, le quatrième but de l'US Orléans signé Valéric Junior, le numéro 7. 4 buts à 1 face au CA Bastia. Alors attention, ça passe. Le triplé, oui, le triplé. 6-1.
Le triplé. Bon, attention, ça passe. Ça passe. Oh, le petit dernier but, hein, juste avant la fin du match. 9 buts à 1. C'est la plus grosse victoire en carrière pour notre joueur. Il a marqué pas mal de buts. Et en tout cas, depuis qu'il est buteur, l'équipe marque plus de buts. Et surtout depuis qu'il est titulaire aussi. Hein. Il a fallu que je change de poste pour rentrer un peu plus. Et ce que j'espère un jour, c'est devenir titulaire dans cette équipe. Alors, on va voir combien de buts il a marqué, mais il doit être à plus de 5. Hein. Est-ce qu'il a battu son record de 4 buts dans un match ? Six buts et une passe D. Oui, il a battu son record. Très clairement, il l'a battu. C'était énorme comme match. 9 buts à 1, la plus grosse victoire. Et donc, on va faire un petit bilan des matchs qu'on n'a pas pu jouer vu qu'on ne nous mettait pas soit remplaçant, soit titulaire. De toute façon, on n'est pas prêt d'être titulaire. On le voit, notre jauge n'est pas prête. Donc le club est pour l'instant 13ème avec 10 points, la montée est quand même assez loin. Les matchs que l'on n'a pas pu jouer, donc il y avait deux matchs du début de saison avant qu'on arrive, vu qu'on était encore à Evian, la défaite 3-1 face à Chambly. Ensuite ensemble on a joué Istres, le SPI, on a joué avec la victoire face à Bourg-en-Bresse. On n'a pas pu jouer ensemble Colmar, la victoire 4-1, la défaite 2-1 face à Martigues. On a joué ensemble le match face à Sochaux en coupe à 5 buts à 1 la victoire. Le match nul à but partout, on l'a vécu ensemble face à l'OM. Ensuite, il y a eu des matchs amicaux internationaux que l'on ne joue pas vu qu'on n'est pas prêt. L'Uznac, on n'était pas là, ils ont perdu 3-2 et ils ont perdu 1-0 contre Villefranche. Et on a joué ensemble le match face au CA Bastia vu que l'on était remplaçant. On est rentré et on a marqué 6 buts. Et ça fait une victoire 9 à 1. Dans le prochain épisode, donc, il y aura des matchs face à l'Olympique Lyonnais, l'US Créteil, Bastia Borgo, l'Uznac en coupe. Il pourrait y avoir aussi un autre match face à un club corse. Donc il y a encore pas mal de matchs. Et il y a des grosses affiches notamment. Alors, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour voir la suite de cette carrière joueur. En National 1, on rappelle qu'on est prêté par un club de National 2. Notre club de National 2, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Bah, on va aller voir vite fait, juste avant de se laisser. Est-ce qu'ils se maintiennent ou pas? Notre club qui évolue cette année en National 2, ils étaient montés. Sans nous, on le rappelle, ils sont pour l'instant à la 21e place. Donc pour l'instant, ils se maintiennent, Tonon et Vian. Allez, à plus!